Noir de Extreme Riders. Alors oui, ça va être une vidéo présentation du skatepark de Noirmoutier. Donc la dernière vidéo, c'était la vidéo présentation du skatepark de Noirmoutier et Lépine. Maintenant, ce sera le centre-ville. Donc je vais pas parler plus, on va direct passer à la partie présentation. Donc on va commencer par ici. Donc là, il y a un volcano. Juste à côté, il y a une petite rampe. C'est plutôt pour les petits. Là, il y a une barre de slide, mais elle sert un peu à rien. Après, il y a un deuxième volcano. C'est pratique parce qu'on peut prendre de l'élan de ce volcano pour aller faire un transfert ici et retomber là. Après ça, c'est encore quelque chose que j'ai jamais vu dans aucun skatepark, une rampe déplaçable. Donc c'est pas mal, on peut la mettre là où on veut. Après, une pyramide. Donc on peut mettre quelques trucs là, une blue wheel. Là, une petite marche, donc c'est bien sympathique pour faire un transfert d'ici jusqu'à la marche. Et puis des filles. Donc là encore une rampe, on peut prendre de l'élan pour faire du transfert. Après, une barre de slide. Bon, celle-là on peut pas trop l'utiliser parce qu'elle bouge. Du coup, sur le slide, ça a bougé. Donc, là encore une barre de slide de l'autre côté de la pyramide. Et, enfin, en avant-dernier, une autre rampe où on peut prendre de l'élan pour faire des transferts dans l'autre sens ou alors slider sur la barre de slide. Et pour finir, un petit menu pour faire des slides. Donc, il est très bien axé. Il y a deux étages. On peut mettre aussi. On peut monter là. Puis sortir. C'est pas mal. Donc je pense que je peux chercher ce qu'on parque. On va passer à la partie tricks. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo présentation du skatepark, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo et salut, c'était Extreme Riders.